Bonjour à tous, on est mardi, qui dit mardi, une nouvelle séance de sport. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul parce que je suis avec Baptiste, très très bien accompagné. Parce que vous voyez, le monsieur est solide. C'est normal parce que Baptiste est judoka en équipe de France. Tu as commencé à Hérouville, c'est ça? Et aujourd'hui, du coup Je suis à Strasbourg. Voilà, parce que du coup, tu as dû partir pour justement pouvoir continuer à gravir les échelons. Oui. Mais du coup, tu as commencé à Hérouville. Et ça t'a amené jusqu'à l'équipe de France. Mm-hmm. Voilà, donc tu t'entraînes régulièrement ouais, beaucoup. Tous les jours? Tous les jours et des fois, deux fois par jour. Voilà, voilà. Il lâche rien, il s'est fixé des objectifs et pour y arriver, du coup, il faut s'entraîner. Baptiste fait du sport du coup depuis tout petit et je suis très content de te recevoir aujourd'hui pour une petite séance, un petit renforcement musculaire que je t'ai préparé. Donc vous vous doutez bien que lui, il va faire les options plus-plus. Moi, je ferai les options plus-moins du coup. Comme ça, on sera ensemble, c'est pas mal. Donc aujourd'hui Baptiste, je t'ai préparé un petit HIIT. Donc le HIIT c'est intervalle training à haute intensité, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. On aura 6 exercices, un peu d'abdos, beaucoup de cardio, un peu de haut du corps parce que voilà, je pense qu'il a besoin de prendre un petit peu. Et voilà, du coup on s'échauffe un petit peu avant. Attends juste 2 secondes. Du coup aujourd'hui on part pour 6 exercices, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Ok, on fera plusieurs options. On va partir direct avec le chrono. On va vous montrer les exercices. On part donc sur 3 tours. Chez vous, vous pouvez faire 2, 3, 4 ou 5 tours. Ok, Baptiste, t'es prêt? Ok, l'exercice 1, ça sera des abdos. Direct, d'entrée. Hop, pour chauffer, je mets le chrono. Allez, on se met au sol. On enroule le bassin pour l'exercice 1. Et c'est parti, chandelle. Hop, voilà, donc la tête vient au sol. Et le but, ça va être de relever le bassin. Tac, tranquillement. Bien sûr, si vous voulez aller chercher plus haut, vous pouvez. Mais hop, juste la contraction des abdominaux pour soulever le bassin, ça suffit largement. Ok, donc 40 secondes d'effort. On souffle bien. Ok, je te regarde. Pose la tête au sol. Voilà. Exactement. Nickel. T'enroules bien le bas du dos. Tu montes. Ok, c'est nickel. Allez, encore 6 secondes. Donc, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Repos. Allez, on se lève pour l'exercice 2. On va venir se positionner en position pompe. Donc sur les genoux ou sur la pointe des pieds, on va faire deux pompes. Et ensuite, on va venir mettre le genou droit au coude droit et le genou gauche au coude gauche. Ok, c'est bon pour toi. Moi, je vais faire sur les genoux, Baptiste, devant. Allez, c'est parti, deux pompes. Une, deux, et là, je vais venir. Montez, montez. On contracte bien les abdos. Le regard bien vers le sol. Deux pompes, tu montes. Exactement. Voilà. Une, deux, on prend son temps. On monte le genou. On monte le genou. Allez. N'hésitez pas à mettre de la musique chez vous si vous voulez. Ok, parfait. Tac. Remonte bien sur tes pompes, prends ton temps, ok. Une pompe, tu remontes. Deux pompes, tu remontes, genou droit, voilà, parfait, parfait, exactement. Un, repos, nickel, tu restes au sol. Exercice 3, on repasse sur les abdominaux. Tac, sit-up. On plie les genoux, on plie les pieds comme ça, et on va venir avec l'élan. Remonter pour contracter les abdominaux. C'est parti. Okay. Chacun son rythme. Si vous ne pouvez pas remonter jusqu'en haut, aucun problème. Je suis ici. Hop. 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 Encore une fois, vous devez sentir la contraction au niveau des abdominaux et c'est ça qui va vous faire travailler. Que vous alliez chercher jusqu'au bout avec Baptiste ou que vous restiez tout bas avec moi. Je pense à bien souffler, bien se faire la descente. Toujours expirer au moment de l'effort. Allez. 2. 1, repos, nickel. Exercice 4, mountain climbers. Je me mets en position planche. Les poignets bien sous les épaules. Et je vais venir toucher genou droit, coude droit, genou gauche, coude gauche. Tac. Et j'enchaîne. Bien sûr, encore une fois. Sur les genoux. Allez, c'est parti, 40 secondes. Vous pouvez. Tac. Voilà. Il faut bien serrer les fesses, bien contracter les abdos.
Voilà. Tu peux mettre tes genoux dans l'axe. Reste les genoux bien dans l'axe. Voilà, comme ça. Le but, c'est vraiment de ramener les genoux au niveau des coudes, mais séparation, touche pas les coudes. Le regard bien vers le sol. Hop. Hop. Vous voyez, moi là, je suis sur les genoux. Je contracte bien mes abdos. Je peux vous dire que je les sens. Allez, on souffle bien. Nickel. Parfait, Baptiste. Ok, repos. Ça va ? Ça va. Nickel. Ok, l'exercice 5. Saute grenouille. On va aller chercher loin devant. Retour tipping. Voilà. Encore une fois, sans saut. Je suis là. 1, 2. Je descends. Tipping. 2, 1. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on revient, on revient, on revient. Allez, va chercher plus loin. Voilà. Voilà. Allez, mets de l'intensité, voilà. Allez, saute. Voilà, on travaille l'explosivité. Allez, allez. Sac, sans saut. 1, 2, sans saut. Voilà. Allez, on y va encore. Recule un petit peu pour être face caméra quand même. Allez, allez. On y va. Sac. Voilà, va chercher, va chercher. Voilà, nickel. Parfait. Allez, allez, allez. 2, 1. Nickel. Ça va ? Ça va. Parfait. Dernier exercice, le patineur. Donc le patineur, je vous rappelle, les épaules restent bien dans l'axe, ok ? Et là, on est sur la glace et on y va. Et on patine. Et c'est vous qui mettez l'intensité. Encore une fois, sans saut, c'est possible. C'est parti. Allez, vas-y. Voilà, essayez de mettre de l'intensité. Voilà. Les épaules elles restent bien dans l'axe. Ok, les abdos ils sont engagés là. Nickel, tu peux rajouter les bras si tu veux. Voilà. Exactement. Bon du coup, Baptiste il fait le profil pour vous, mais c'est très bien. Il a pas envie de vous voir pour le moment. Allez, allez. On enchaîne, 10 secondes. Go. 2, 1, ok, on récupère. On vient de finir le premier tour. Vous pouvez prendre jusqu'à 40 secondes de récup. Nous, on a envie de prendre que 20 secondes, c'est vrai, non ? Ouais. Voilà, c'est lui qui l'a demandé. Donc on recommence, deuxième tour, on enchaîne. À gauche chandelle, au sol. Allez, dans 3. Allez, c'est parti. Je mets la tête bien au sol. Je prends mon temps. Ok. Les mains sont au sol, je contrôle la montée, je contrôle la descente. Ça sert à rien d'aller trop vite. Voilà. Tac. Vous voyez ? Hop ! Je relève juste un petit peu le bassin. Hop. Tac. Encore une fois, j'inspire, j'expire à la montée, à la contraction. Tac. Ok, nickel. Parfait. On passe au sol. C'est les pompes. Ok, les pompes, je vous rappelle, sur les genoux. L'important, c'est d'avoir les poignets bien sous les épaules, de serrer ses fesses, contracter ses abdos. Une, deux, et ensuite, un, deux. Allez, vas-y, c'est parti. Petit problème de chrono. Hop! Vas-y, vas-y, c'est parti! C'est parti! On aura un peu de rab ici, ça arrive, c'est des aléas. Allez, go! Deux pompes! Une, deux. Allez, le regard bien vers le sol. Et là, je peux vous dire, c'est coupé. On travaille les bras sur les descentes en pompe. On travaille le gainage. On travaille les abdominaux. On travaille les fessiers. Allez, c'est nickel ça! 1, 2, fais pas glisser tes pieds, lève bien tes pieds, ok? 1, 2, voilà, prends ton temps, exactement, 2, nickel, allez, nous sur les genoux, 1, 2, 1, 2, allez, courage, ok, repos, 20 secondes, on s'assoit, transpire même pas. Il laisse rien paraître, pas de sourire, pas de grimace,
Il est de marbre, Baptiste. Allez, vous êtes prêts? Abdos sit-up, go! Tac. Donc nous, on a les pieds collés. Si vous préférez mettre vos talons au sol, écarter les genoux, vous pouvez aussi, ok? On inspire à la descente. Allez, on y va. On les fait brûler un petit peu les abdos. Pour être beau à la plage cet été, je sais qu'on en a tous envie. Allez, allez. 5 secondes. Ok, repos, 20 secondes. On enchaîne, mountain climbers. Voilà, le cardio commence un petit peu à monter. On est au milieu. On est à la moitié de la séance. Tout va bien. Ok, donc on reprend cette position planche sur les genoux ou sur la pointe des pieds, je vous rappelle. Poignet bien sous les épaules, le regard vers le sol et c'est parti. Tac, et on monte les genoux. Allez. En faisant une belle planche. Hein. Pour avoir une belle planche, je vous rappelle, on contracte bien les abdos, on serre les fesses. Nickel, Baptiste, c'est parfait. Ok, je vous rappelle, encore une fois, donc sois avec moi, sur les genoux. Voilà. Respire bien, on prend son temps. Le bassin ne doit pas bouger. Il est fixe. Ok. On récupère, on part sur le saut de grenouille. Fais attention à pas glisser. Parce que du coup, vu que je suis avec un champion de judo, je me suis dit, tatami, c'est nickel. Au cas où je lui mette un petit pont là, paf. Moi, je vais pas lui faire. On va pas commencer à jouer à ça. Allez, c'est parti. Saut de grenouille, tipping. Allez, 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 on met de l'intensité. On va chercher un peu plus loin. Et on revient. Sans saut, c'est possible. 1, 2. 1, 2. Allez, on y va sur le tipping. On revient, on revient, on revient. Allez, hop. Allez, va chercher plus loin. Voilà, nickel. Allez, 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 allez. Tac. Allez, on revient, on revient. Hop. Allez, 8 secondes. On tient le coup. Et on a le sourire en plus. Un beau sourire, Baptiste. Ouais, nickel. Ok, repos. Parfait. Fais attention parce que tu vas bientôt sauter sur la caméra. Dernier exercice de patineur. Ok, avec saut, plus je vais aller loin, plus je vais mettre les bras, plus je vais monter en intensité. C'est parti. Recule un petit peu, juste un tout petit peu. Vas-y, vas-y. Parfait, ok. Allez, allez, descends plus bas. Mets les bras, va chercher plus loin sur le côté si tu peux. Oui. On va se mettre au patin tous les deux, je crois. Pas mal. Allez. Les épaules dans l'axe. On y va encore 10 secondes. Allez, on met de l'intensité. Allez. Tac, tac, tac. On souffle. Ok, repos. Allez, on récupère. On part sur le troisième et dernier tour. C'est bon pour toi? Hop. Allez, c'est parti pour le dernier tour. Courage. Allez, ça y est, c'est le dernier tour. On commence déjà à gruger deux secondes. Allez. Nickel. Allez, on souffle bien. Voilà, nickel. Allez. Allez, soulève-le. Voilà. Va chercher, voilà. Nickel. Allez, allez, c'est le dernier tour, on y va. On les engage, les abdos là. Allez, courage. Boum. Oui. Oui. Allez. Repos. On reste au sol. Pompe. Montage militaire.
On rappelle les pompes. Une, deux, on prend bien son temps. Tac, tac. Allez, c'est parti. Un, deux. Hop, hop. Sur les genoux. Un, deux. C'est pareil. C'est adapté pour tout le monde. Je vais descendre un petit peu moins. Je descends un petit peu moins. Une pompe, deux pompes. Je vais monter moins haut, je monte moins haut. Une, deux. Hop, hop. L'important, c'est d'avoir une belle planche. Le bassin est fixe. Voilà, nickel, on adapte. On finit les pompes sur les genoux s'il faut. Allez, on y va. 5 secondes. Parfait. Nickel. Tiens le bon bout. On continue sur les abdos. C'est le dernier tour. On est sur 3 tours. Et là, on exercice 3 du troisième tour. Allez. Courage. Tu seras content après. Tu seras heureux. Tu seras heureux. Allez. Voilà, nickel. On aura fait notre sport pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. On inspire, on expire la montée. Allez, courage. On est sur le troisième tour. C'est normal que ça commence à être un peu difficile. Ça commence un peu à rouler. Mais on y va, on finit. On pense à bien respirer. Nickel, parfait. Allez, mountain climbers. On tient le bon bout là. Ok. Une belle planche. Je vous rappelle, mountain climbers. Tac, tac. On lève les genoux au niveau des coudes. Soit sauter, soit sans sauter. Ça dépend de l'intensité que vous voulez mettre. Allez, c'est parti. Allez. On peut tenir le coup. 40 secondes, c'est la fin. Hop, hop, hop. Sans saut. Voilà. Sur les genoux. La seule différence sur les genoux, c'est que vous êtes obligé d'enrouler un petit peu votre genou sur les côtés. Alors que quand on est sur la pointe des pieds, on peut l'emmener de face. Allez, allez. Courage. 5 secondes. 1. Ok, repos. Nickel, plus que deux exercices. Allez, courage. Ah, après une bonne douche, on va être content. Saut de grenouille, tipping. Baptiste, tu feras attention à ne pas manger le téléphone. Sur les sauts de grenouille. Allez, va chercher moi. Allez, clac. Allez, on y va. Voilà. Allez. Vous voyez, vous pouvez le faire sans saut. Allez, 15 secondes. Allez, tipping, plus loin. Allez, jusqu'au bout. Jusqu'aux affiches. Voilà. Allez, on y va. Allez, allez, allez. Allez, encore deux. Un. Le dernier. Oui. Parfait. Dernier exercice de patineur. On récupère. Et on aura fait 18 minutes de cours. Voilà. Simple, rapide, efficace. Allez, 2, 1. Allez, c'est parti pour le patineur. Voilà. Encore une fois, je vous rappelle que moi, je suis avec Baptiste, qui est en équipe de France de judo. Donc forcément, si chez vous, vous avez l'impression que c'est dur, c'est normal parce que lui, fait les options difficiles. Vous voyez là, si vous êtes avec moi, ça va. L'important, c'est de garder le buste et les épaules dans l'axe. On traque mes abdos. Voilà. Allez, allez, allez. On y va. 5 secondes. Et repos. Terminé. J'arrête le chrono. Ouh. Ça va.
Ouais, ça. Ah, il a dit ça. À vous de compléter la phrase. Comme quand n'oubliez pas les paroles, on n'a pas la fin. Nickel. Je voulais dire, ça bosse, je pense, un peu quand même. Ouais, ça bosse. Voilà, je le sens un petit peu au cardio là. C'est bien, nickel. Belle séance. Tu vois, c'est des exercices que toi, t'as peut-être pas l'habitude de faire au quotidien, dans ton emploi du temps de ministre, de haut niveau avec le judo, mais tu vois, c'est vraiment adapté à tout le monde et on aura bien travaillé aujourd'hui les abdos, un peu le cardio, tu l'as senti. Ouais, j'ai senti. Voilà, un peu les bras sur les pompes. Ouais. Voilà, nickel. Cours complet, donc super important. On va s'étirer un petit peu. Ouais. On va faire redescendre un petit peu tout ça. Relâche-toi. Les bras, les jambes. Chez vous, n'hésitez pas à boire. Là, on n'a pas d'eau à proximité. Allez là-bas, on va la chercher après. Mais surtout, hydratez-vous. Prenez 30 secondes, allez vous chercher de l'eau, buvez. Et tout au long de la journée, il va falloir vous hydrater pour récupérer. D'accord? C'est super important. Donc en plus, je vous rappelle qu'on fait toutes ces vidéos et ces entraînements dans le cadre de Terre de Jeux 2024. Pour inciter les gens à se mettre au sport, mais le sport pour tous, d'accord. Et aujourd'hui, Baptiste qui est là, bah voilà, dans un coin de sa tête, je pense que les Jeux Olympiques Paris 2024, ils sont présents. Donc en tout cas, je te le souhaite, j'espère. Si c'est pas 2024, ça sera peut-être 2028, parce qu'il a 17 ans, il est encore jeune. Mais voilà, c'est vraiment encore aujourd'hui un peu plus important de le souligner que dans l'optique de Terre de Jeux 2024, il faut vraiment qu'on se mette tous au sport. C'est important, ça fait du bien mentalement, pour la santé, c'est top. Ok, petit étirement, simple, efficace. Allez, on va venir étirer le quadriceps. Allez, on souffle bien, on respire, on se relâche. Les étirements, c'est fait pour vraiment aussi faire redescendre le corps. Ok, redescendre le cardio, et bien sûr s'étirer sur les parties qu'on a travaillées. Ok, on change un peu de jambe. On respire, nickel. On se relâche. Ok. On se grandit, on va venir sur le côté gauche. Allez, on prend des grandes inspirations par le nez. On expire, on se concentre bien sur sa respiration, on n'a plus aucune tension dans le corps. Ok, les genoux sont légèrement fléchis, c'est vraiment de la récupération. On peut être fier du cours qu'on vient de faire. Ok, on change de côté. Devant, on enroule le dos, voilà, le dos est enroulé, le menton rentré, et on va chercher le dos. Voilà. Les genoux sont toujours légèrement fléchis, et là, on va venir étirer tout notre dos. Ok, et maintenant, on va pousser les fesses derrière, mettre le dos plat, et comme ça on va venir étirer toute la partie des ischio-jambiers. Voilà, tu dois sentir la différence là, c'est vraiment tes fesses qui partent derrière et du coup ça doit étirer l'arrière de tes cuisses. Ok, là on était dos enroulé et là on passe dos droit avec les fesses moins derrière. Il faut vraiment sentir la différence entre le dos qui est enroulé ici où j'étire vraiment le dos et celui-là où j'étire vraiment l'arrière des cuisses. Parfait, on se relâche. On va venir prendre son bras ici. On a travaillé les pompes, donc on étire un peu quand même la partie des triceps. Nickel, le bras. Une dernière fois. Allez, on prend une grande inspiration. Allez, on va chercher haut, haut, haut. On inspire, on inspire, on inspire.
on expire. Voilà, toute tension, bas du dos. Encore une dernière fois. Allez. Allez, je vous entends chez vous, on inspire. Grande inspiration, on va chercher haut, haut, haut. On expire. On se relâche et on peut s'applaudir. Voilà. Bravo à tous. Baptiste, merci. Bravo à toi. Félicitations, je te souhaite tout le meilleur. J'espère que tu pourras nous représenter fièrement sur les compétitions internationales. Voilà, que ce soit Airwheel, tes débuts ou ta patrie, l'équipe de France. Voilà, je te souhaite en tout cas le meilleur pour la suite. Voilà, merci à toi. Nous, on se donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle séance. D'ici là, hydratez-vous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao !